Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors comme vous savez, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis allée aujourd'hui au salon du loisir créatif à Mont-Saint-Barœul, dans le nord, près de Lille. Donc c'était leur premier salon. C'était un petit salon, mais très agréable, où il y avait plusieurs stands, bon, je pense une bonne quinzaine, vingtaine de stands, j'ai pas tout à fait compté, où on pouvait y trouver du tricot, du scrapbooking, des bijoux, des choses faites main, puisqu'il y avait des particuliers, voilà, pas mal de choses intéressantes. Et j'y suis allée tout particulièrement pour faire la connaissance de Sylvie. Voilà, c'est ce dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Donc Sylvie est là, a une petite boutique sur internet qui s'appelle Pic et Patch. Voilà, donc c'est une boutique qui vend du tissu pour... le patchwork, mais pas seulement, hein. Elle vend du tissu et un peu d'outils pour la couture également. Voilà. Et j'avais déjà flashé sur des tissus qu'elle montrait sur sa page Facebook. Et j'étais vraiment très intéressée de la rencontrer et de voir en vrai ses tissus et de la rencontrer en vrai également. Donc, ça a été chose faite aujourd'hui. Et en la rencontrant aujourd'hui, elle m'a fait très plaisir parce qu'en plus, elle m'a offert des tissus. Donc, je vais vous les montrer après. Avant, j'ai filmé son stand. Voilà, elle a dit 2-3 petits mots sur la vidéo que j'ai faite là-bas. Donc, je vous laisse regarder. À tout de suite. Voilà, tu dis qui tu es. Voilà. Alors, je suis Sylvie, je gère Pic et Patch, du tissu patchwork, du molleton, quelques accessoires bois et ouvre-fil, et je suis sur Reims, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci. Donc voilà, comme ça, vous avez fait un peu plus connaissance avec Sylvie et avec ce qu'elle pouvait vendre dans sa boutique. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre en barre d'infos là où vous pouvez la retrouver sur Facebook pour retrouver ses tissus qu'elle vend. Et je vous mettrai également le lien de son blog où on retrouve également les articles qu'elle vend. Comme ça, vous pourrez aller là... voir tous les articles qu'elle vend et lui en acheter, pourquoi pas. C'est quelqu'un de vraiment très très sympathique et j'étais vraiment très très heureuse de la rencontrer.
Alors, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert d'abord. Voilà. Donc, elle a vraiment de très jolis tissus, de vraiment de très très bonne qualité. Alors, les tissus sont en 1,10 m de large. Voilà. Donc, j'ai eu d'abord celui-ci. Voilà, bleu. Donc, il fait, c'est un 50 cm, voilà, en hauteur. Donc, sur 1,10 m de long. Ensuite, celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Qui ira très bien, ben justement, avec celui-là. Regardez. Voilà. Donc, ça, c'est les petits cadeaux qu'elle m'a fait. En plus de... Alors, elle m'a offert également les petits boutons qu'elle m'a laissé choisir. Voilà. Donc, j'ai choisi un en forme de bobine et un en forme de dé. Donc, c'est des petits boutons en bois que je trouve tout mignons. Et dedans, ben là, je viens de le découvrir parce que je n'avais pas vu qu'il c'était dans la boîte. Il y a une petite boîte. Alors, ça, je pense que c'est des bonbons. Voilà, des M&S. M&S, j'arrive pas bien à le dire. Voilà. Et ils sont c'est vraiment très rigolo parce qu'ils sont estampillés au nom de sa boutique. Voilà. Alors, comme je suis au régime, c'est pas moi qui vais les manger. Et avec, il y avait un... Bon, comme une petite étiquette ou un bouton en bois. Voilà. Marqué tissu dessus. Voilà. Donc ça, c'est les petits cadeaux qu'elle m'a fait. Et bien sûr, j'ai craqué sur quelques petits tissus. Bon, j'étais raisonnable. Alors, les tissus que j'ai achetés, je les avais déjà vus sur son Facebook. Et j'avais déjà craqué dessus. Et mon mari qui était avec moi, mon chouchou, a craqué dessus aussi. Donc, voilà. D'abord, celui-là. Il est super rigolo, super beau. Les petites poules qui tricotent. Alors, pour aller avec celui-là, j'ai pris celui-ci. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça ira très bien ensemble. Et j'ai pris aussi celui-là. Les petites maisons. Voilà. Donc, c'est tous des coupons qui font 50 cm à part les poules. Et le jaune, j'ai pris un peu plus. Et en moyenne, donc, c'est tous des coupons qui font 50 cm sur 1,10 m. Je vais y arriver. Et j'ai fait quelques petits achats. Donc, vous retrouverez donc tous les renseignements donc de la boutique de Sylvie en barre d'infos. Et je vous invite vraiment à aller voir parce qu'elle a vraiment des tissus magnifiques et vraiment de très très bonne qualité. Et bon, je crois que je recraquerai très rapidement pour en reprendre parce qu'elle en a vraiment de très très jolies. Voilà. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez-y vite voir sur sa page Facebook. Vous verrez qu'elle a vraiment de très, très jolies choses. Voilà. Alors, moi, j'ai fait 2-3 petits achats. Deux autres achats sur le salon. Vous voyez, j'étais vraiment raisonnable. Bon, je dirais que j'ai un chouchou avec moi. J'ai pris de la dentelle, donc là c'était une personne, c'était une association ou une particulière. Elle vendait des petits lots de dentelle
Donc j'en ai pris un peu. Voilà. Donc là, c'est de la noire. Voilà, donc il y a de la petite, un peu plus grande et de la très grande. Je crois qu'il y a, je sais pas combien il y a dedans, 50 cm ou 1 mètre. Je n'ai même pas demandé. Mais bon, elle me plaisait bien. Donc je l'ai prise. Allez, je vais l'ouvrir un peu pour vous voyez mieux que dans. Donc chaque petit sachet faisait 2 euros. Il y en avait d'autres, mais bon, ça. Voilà. Donc il y avait celle-ci. Celle-ci. Alors, vous la voyez pas bien là. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Et la petite, comme ceci, qui est super fine, super jolie. J'ai pas beaucoup de noir, donc. Et le deuxième paquet, là, elles sont un peu plus grandes. Donc, une blanche, comme ceci. Une rose. Comme ceci et une autre blanche, après je trouve le bout, oui, voilà, comme cela. Voilà, sur ce stand j'ai pris que ça, et après j'ai pris sur un stand, c'est sagaposcrap.com, qui vend du tampon, du bois, des dyes. Voilà, donc là c'est celle-ci. Donc là j'ai pris un lot, voilà, comme ça. Donc là ça m'a coûté 5 euros. Donc il y a un peu de tout comme phrase. Je vais regarder, je vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je vais vous dire. Alors, il y a savourer ces petits moments avec nous, vous voyez, des petits morceaux comme ça. Une journée sous le soleil, voilà. Après, il y a source inépuisable de joie, profiter de chaque instant, le bonheur en famille, moment magique, une journée dans un petit coin de paradis, ces moments simples qui illuminent notre quotidien, esprit de Noël. Bonheur en famille, savourer chaque instant, souvenir d'une belle journée, complicité, rire partagé, voilà. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, je crois qu'il y en a une vingtaine, même plus. Donc ça, j'avais payé ça 5 euros. Ensuite, des petits chats en bois, comme ceci. Donc ça, c'était 2 euros. Et ici, pareil, des petites découpes. Alors, il y a des petits nuages, il y a des loves, il y a des lunes, il y a des, donc des I love you, des, voilà, des fun. Il y a un peu de tout. Voilà, pareil, ça, je l'ai eu pour 2 euros. Voilà, ben, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal, vous me direz. Je regarde avant ça. Ouais, non, c'est tout. Et ben, voilà, le salon était bien pour un premier salon, tout premier salon, ben, il était pas mal. Sinon, ben, je vous dis, après les autres, bon, il y avait des choses qui étaient bien, mais bon, qui ne m'intéressaient pas. Il y avait une dame qui faisait du cuir, après il y avait des personnes qui vendaient des choses d'occasion. Bon, j'ai vu une personne qui vendait des trucs d'occasion et qui vendait du action. Qu'elle avait déballé et puis qu'elle vendait des blocs, qu'elle vendait feuille par feuille. Mais bon, voilà. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais il y avait beaucoup de bijoux, de fimaux, de voilà, des choses tricotées à la main. Non, c'était vraiment très bien. Enfin, mais bon, mon objectif premier, c'était d'aller rencontrer Sylvie. Donc, c'est chose faite. Et je redis encore une fois, je vous invite vraiment à aller découvrir sa page Facebook. Elle le mérite et elle a vraiment du très 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 bon tissu. C'est vraiment très très bon et vraiment de très bonne qualité. Voilà. Bon, mais je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous.
Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.